she? Where's my girl? Where's my girl? Where's my girl? Where is she? Bonjour à tous, ça fait longtemps, je sais. Aujourd'hui je suis à Liège avec une très bonne amie, Alicia. Vous vous en souvenez peut-être, elle a fait partie de ma vidéo sur les wallows. Donc aujourd'hui elle va me servir de guide pour me présenter Liège et tout ce qu'il y a à faire dans cette belle ville. Donc j'ai décidé de présenter Liège sous trois catégories, une fois la bouffe, la boisson et la culture. Nous trouvons la première catégorie culture qui est l'Aquarium Museum de Liège. Il s'agit d'un bâtiment composé de deux musées, donc une fois le musée aquarium où on a des poissons. Et une fois le musée plus zoologie où on a plein de bêtes mortes et de squelettes. Voilà. En avant toutes. Donc, explique où on est un coup. C'est la partie aquarium du musée. Donc ici, ils ont plein de spécimens de plein de poissons différents. Et à chaque fois, ils sont dans les aquariums selon leur espèce pour qu'ils puissent vivre ensemble sans se manger mutuellement. Oh, elle est trop belle. C'est dingue, ils marchent. Genre, ils nagent pas, ils marchent. S'il te plaît, reviens. Vas-y, reviens. Oui, mais tu n'aurais pas envie d'être à l'intérieur avec eux, sinon tu te fais déchiqueter vivant. Attends, recommence. Donc c'est un mur rempli de graffiti qui représente les différentes facultés de l'Université de Liège. Ce mur a été fait pour fêter les 200 ans de l'université. Donc on a HEC, médecine, séminaire, faculté. Ici on se trouve sur la place Saint-Lambert. C'est appelé le cœur de Liège. Avant c'était la cathédrale. Les différents poteaux ici représentent le cœur de la cathédrale. Donc il faut dire qu'elle était beaucoup plus grande que la place actuelle. En dessous de la place se trouve l'archéoforum. L'archéoforum qui met en exergue les différentes recherches et fouilles archéologiques qui ont lieu sur Liège. De ce côté-là, on a le palais de justice de Liège. Ici, c'est l'ancien hôtel de ville. Et puis par là, c'est l'hôtel de ville actuel de Liège. Montagne de Buren, qu'on appelle aussi les 600 grès ou les 600 marches. En fait, l'escalier comporte pas 600 marches, mais 373. 600, ça fait référence à l'action héroïque des 600 Franchimontois qui sont venus au secours des Liégeois en 1468, alors que Charles le Téméraire voulait mettre la ville à sac. En fait, on sait absolument pas s'il y en avait 600 moins plus. On sait même pas s'ils ont vraiment pris ce chemin pour venir. Mais en tout cas, c'est un mémorial pour leur acte héroïque. Alors pour ceux qui ont déjà regardé mes vidéos précédentes et qui m'ont vu monter des escaliers auparavant, vous savez très bien que j'ai horreur des escaliers. C'est une création de Satan. C'est une horreur. Je vais mourir. Pitié, ne me fais pas monter ces escaliers. Oh, aussi. Allez, on va y aller. Ce monsieur montait les escaliers avant qu'on arrive. Il est redescendu pendant notre pause. Et il remonte déjà. Écoute, ils sont pas tous des grands fougères comme toi. Après l'effort, le réconfort, on va aller à la maison du Péquet de Liège. C'est genre l'institution de base de tout savoir-vivre, de toute culture liégeoise. C'est le Péquet, en fait, c'est un alcool fait à partir de grains et qui se mélange avec plein de jus. Et donc la maison du Péquet, ben, c'est là où on trouve le Péquet, le meilleur. Et voilà, on va aller boire un petit verre. Un petit peu sexy, en fait il s'agit du plus beau Lucifer qui existe. Il a été fait par Joseph Gaves. Au début il était encore plus beau, mais
Allez, dis, normalement c'est moi qui fais ça. Le taureau qui se trouve juste devant moi a une petite histoire assez cocasse. Donc il a été créé et installé en 1881 et en fait les avis étaient assez divergents. Certains trouvaient qu'il était scandaleux de montrer les parties anatomiques d'un homme dans un endroit qui se voulait familial, et d'autres trouvaient que c'était absolument génial de faire ça. Suite à pas mal de controverses, au final, l'artiste a décidé de coller une petite feuille sur la zigounette du monsieur. La feuille a fait rire tout le monde, que ce soit ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre, et elle a fini par tomber fin du printemps 1982. Et aujourd'hui, en fait, c'est le point de ralliement de tous les étudiants pour la Saint-Nicolas. Pour l'occasion, les parties intimes du taureau et du toréador sont dotées de couleurs diverses et vraiment chouettes à admirer. Allez, Miss Fitness là. Moi, je continue mes exercices. Hein. Oui, je vais écarter les jambes. Alors là, sur la caméra, ça fait un peu... ça pourrait sous-entendre beaucoup de choses, hein, là. Je tiens à préciser que c'est une machine de fitness, de sport, machin, hein. Vas-y, fais une démonstration. Allons maintenant aller au carré. Donc c'est plus ou moins plusieurs rues ensemble qui forment, en gros, un carré. Donc on va aller boire un verre avec des amis et ensuite aller manger. Donc ceci est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et si vous voulez voir des photos d'aujourd'hui, n'hésitez pas à aller suivre mon compte Instagram. Et encore merci d'avoir regardé la vidéo.